Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Il soit aussi selon ce que tu as entendu déclarer par les mots de Jésus. J'ai la joie d'être devant vous pour annoncer la bonne nouvelle, c'est que Dieu va mettre dans ma bouche comme d'habitude, je voudrais bien parler à l'Ingala, le pasteur là pour répéter, pas pour interpréter, mais pour répéter. Parce que le là, c'est pas pour interpréter, c'est moi qui est le prédicateur, celui qui interprète la parole. Amen. Parce que le Écrit doit être interprété. Mais celui qui est là, il est là pour répéter seulement ce que le prédicateur lui est en train de prêcher. Amen. C'est ça la nuance de vous le comprendre. Sans plus tarder. Oui, ou tout pour mes gars pour le bel aïlo. C'est qu'on ne peut pas essayer de parler de ce soir. Sur le sang de Jésus-Christ. L'importance de notre enseignement, nous allons parler sur le sang de Jésus-Christ. Nous voulons parler de ce qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons comprendre l'effet du sang de Jésus-Christ dans nos vies. C'est par cela que nous allons le parler ce soir. Il y a une alliance mi-balé, mais qui là est celle de ma alliance, c'est celle de ma tournée de la maquilla. Des alliances se font généralement sur les liens du sang. Tout le monde a qui alliance, il y a Liboso, il y a qui n'a dit à Moïse. Nous avons vu le premier alliance qui est venu par Moïse. Et ça va être toujours dans la maquilla. Cela a été fait par les liens du sang. Le second qui est venu au service du Seigneur Jésus-Christ a été effectué par le lien du sang. Alors il y a tout le monde l'importance à Makila. Voilà pourquoi nous voyons l'importance du sang. Ce n'est pas le sang rouge, oh Toyebi. Ce n'est pas le sang rouge que nous connaissons. Mais Ezali Makila ou Yesu Masia. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Comme Yesu ou Ezali Kosala, Azali Molimo. Étant le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, qu'il est spirituel. Alors le sang aussi, Ezali aussi à Molimo. Le sang aussi, nous parlons, est spirituel. Parce que la Bible est telle que ça dit ancienne alliance, Ezali, l'ombre des choses à venir. La Bible nous montre que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Nouvelle alliance, l'ombre pour être comme en réalité. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ombre qui devait s'accomplir. Oh, c'est là qui l'ombre. Et ça, c'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ce qui était dans l'ombre était l'ombre de l'ancienne alliance, mais Christ est venu l'accomplir dans la nouvelle alliance. Alors, il y a un autre mito, tant que moi, je peux faire ça, éclaircissement, la biso, na. Voilà pourquoi nous voulons lire une écriture afin que nous soyons éclaircis par, les, par, par la parole. Si vous prenez, vous aussi m'appelez la Bible, Nabino, pour vérifier vos allocutions avec Christ soit adhéré. Nous voulons que si vous voulez, vous pouvez toucher la Bible afin de vérifier, afin que vous soyez comme des chrétiens adhérés. Parce que mon thé a eu côté le maolo, ma kamsou, c'est dans la Biblie, et tel ceux qui vérification les alités, ça devient compliqué. Parce qu'un prédicateur peut dire des choses, mais s'il n'y a pas une vérification, c'est très compliqué. Bible est-elle, ça dit ce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible nous montre que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et la nouvelle alliance, c'est qui réalité, il soit La nouvelle alliance est une vérité, Christ est venu l'accomplir. Et la Bible est celle qui Et la Bible nous montre que toute parole qui est là est inspirée. A été inspirée. Et puis Malobanion comment toute parole qui a été écrite par
parlait que d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Même par mouvement, si nous sommes dans la Bible, il faut que tout le monde lise tout parce que c'est le cas de Jésus Messie. Même le mouvement, les signes partent toujours d'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ma communion, c'est le cas de Jésus Messie. Parce que toute la parole en général parle que d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Je peux plus mettre sa vie sur que tous les prophètes, oh bah les gars qui va prophétiser, qu'à cala esprit à Jésus Messie. Et la Bible nous montre que prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Bible est elle, ça dit sur vous. C'est ce que la Bible nous montre. Alors, toi, on a dit Makila Yesu Masia. Nous voulons parler ce qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Toi, mais on comprend Makila Mozanini. Nous voulons comprendre quel est le rôle de ce sang. Et souvent, passage moko o etanga makami ngi o to yuko tanga la Hébreu. Et souvent, il y a un passage, qui se lit souvent dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Le verset 22, mais aux amalas on mine comme normalement maintenant la 18 pour tous au moins éclaircissement il y a idée ou non. Ça sera mieux de commencer ça à partir de verset 18 pour enfin de être bien éclairci par cette écriture. Hébreu chapitre 9, le verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sangs de veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, il fit aspersion sur le livre lui-même, et sur tous les peuples en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. 22. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Ça, c'est ce que la parole que nous et t'as les habits sur Moïse, leur Azouaki, il faut prendre pour ça la Oyaki Alliance, Nzaminga recommanda qui est. Cela nous montre que lorsque Moïse a reçu le pouvoir de faire ce que Dieu lui a recommandé, Alliance Samakina Makila, l'alliance a été effectuée par le Makila Baniyama, Sangisaki Yango, Père à Pakola Kiango, Nabiloko Nyonso, Liposo Nabar Nzambe, peuple Israël. Dieu a pris le sang de l'animal, il a fait l'aspersion dans toutes les instances du service du culte d'Israël. Walezaki Makila, Ozaki Rouge, à cela qui se passe. Cérémonie ou à la même qui n'ont un temple, alors dit que Papako la fille à Makila va signer la bloc au Nyon soit avec la carte de la temple. C'était une cérémonie qui a été effectuée même dans le tabernacle. Moïse a fait l'aspersion du sang. Et puis, alors dit que Nanzela, Namakila, Nézali, pour mes pardons. Et la Bible précise que par la rémission du sang, il ramène le pardon du péché. Alors, pardon, c'est que le pardon vient que par le chemin du sang. Si vous voulez comprendre, pardon, et nous voulons comprendre quelle est la manière que ce pardon est effectué. Et par là, nous comprenons que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés et pardonnés. Alors, tu veux comprendre, Makila et Zanini. Nous voulons comprendre le sang, c'est quoi? Oh, la Bible, le bateau comprend la définition Yamakila et Zanin. Nous voulons définir ce que la Bible dit concernant le sang. Voilà, pasteur, vous souvenez sur la Lévitique. Et là, le pasteur va nous aider par le livre de Lévitique. La Lévitique, chapitre 17. Tout dans verset 13, 14, partie A. Je lis les livres de Lévitique 17, le verset 13 et 14. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Amen.
C'est pourquoi, j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ça, c'est la parole de nous voulons comprendre l'utilité du sang. Avant de après sa instruction pour parler à Israël. Ici, Dieu est en train d'instruire les enfants d'Israël. Si vous partez chasser, vous attrapez l'animal. Lorsque vous égorgez l'animal, le sang de l'animal doit être renversé sur et le sang. Et vous allez le couvrir. Et enfin, cet animal-là peut être consommé. Et la Bible dit que la vie est dans le sang. Nous devons comprendre que définition, il y a sang, nous allons aller pour payer sa bonne. Par là, nous comprenons que la définition du sang est que dans le sang il y a la vie. Donc, maquila, nous allons pour payer sa bonne. Le sang est en train de donner. Donc, bon mort, nous allons quitter la maquila. La vie est dans le sang. Paul, l'Israël a été interdit pour lire Niyama au Azali étouffé. L'Israël était interdit de manger un animal qui n'est pas égorgé, qui est étouffé. Ce qui voulait Niyama Oyo, au Sopi Makila n'a été, au Yale, en haut à Posala, écarté la libota. Si vous mangez un animal qui n'est pas égorgé, celui qui le mange sera écarté de toute la famille. Paul! Parce que la vie est dans le sang. Il y a un peu tel souvent les vitis qu'il faut égorger pour se maquiller la madele pour finir et puis pour les l'abnoniama. Voilà pourquoi la Bible dans le livre de Lévitique, la Bible nous précise qu'il faut égorger l'animal et que le sang soit renversé afin de consommer l'animal. Et nous devons comprendre vie. Et ça dit que la maquillage au lingani. Et par là nous comprenons que la vie est dans le sang. De quelle manière? Et si nous retournons en arrière dans le livre de Genèse, nous voyons là où il y a concordance entre Lévitique et Genèse. Alors, nous voyons la création dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et Tokyo sous la Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu mangeras sur ton ventre, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Ouais, en tout temps là, Lévitique nous dit que ce que bon il faut qu'il a au verset à moi dans ma belle. Ah, Lévitique nous fait comprendre que si après avoir égorgé l'animal, il faut verser le sang de l'animal sur le sable. Pour bon mourir, et Zali de Makila. Parce que la vie est dans le sang. Alors le tout monde dans la création. Nous avons là où créé un moto, nous avons dit que, à souffler qui vont, à rassembler ma belle, ne à salir moto. Après avoir posé la moto dans ma belle, ne à souffler quand il n'y a pas moto, à toi bon monde. Mais ici, dans le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre qu'après avoir formé l'homme sous la poussière de la terre, Dieu a soufflé, afin que l'homme devienne une âme vivante. Après avoir soufflé, nous avons dit que qui forme, ne à souffler moto, à vivre. Après avoir formé les sables qui avaient pris la forme humaine, Dieu a soufflé la vie et puis l'homme a haï la vie. Et par là, nous comprenons que nous venons du sable. Dieu nous a pris dans le sable. Alors, là, tu comprends le livre de la Genèse. Allez, tu as dit dans Genèse chapitre 3, le verset 14. Alors, lorsque nous revenons dans Genèse 3, le verset 14, tu as bâti l'histoire au malam. Nous connaissons cette histoire parfaitement. Ezekiel et Nzambé, Azaï, pour châtier, tu as bêta qui tu as bengana qui Adam et Ève dans le jardin d'Eden. Quand Dieu était en train de châtier Adam et Ève dans le jardin d'Eden après le péché, après avoir poli en bouma, après avoir consommé le fruit, oh, c'est à qui désobéissance, qui était une loi interdite. L'Enzamba yaki, quand Dieu est venu, a commis qu'on questionnait par moi, mais tout non, Dieu est en train de leur poser la question. Mon corps n'a pas à répondre, le nom est qui a répondu. Chacun d'entre eux est en train de répondre selon sa manière. L'Enzamba commis pas à Satan qui serpent, quand Dieu arrive auprès du
serpent qui est le diable. Avec pour la nuit au saliboé. Pourquoi as-tu fait cela? Nous avons commis pour maudire Ozalaki serpent. Dieu commence à maudire le serpent. Ozalaki diable. Qui est le diable? Ce n'est pas le serpent ancien. C'est lui qui était le serpent ancien sur le diable. Né à Komadi, pour pas me laisser. Tu marcheras sous le vent de toute ta vie. Et tu marches au collier ta ka ozali poussière fin na yo mobima. Et tu mangeras ce qui est poussière de tout. Et par là tu peux comprendre que bilei oyo nzambe apesa ki et pas certain za ki ne moto. Et par là nous comprenons que le repas que Dieu avait donné à l'homme c'était le sable qui est l'homme. Donc au monde a caté que niu ka ozali serpent yo aoli a putulu na to ngana na mona te que serpent ali a ka putulu. To mona ataka ali a ka ka oza banyama. Nous voyons, nous n'avons jamais vu un serpent en train de manger le sable. Jamais. Mais nous voyons seulement le serpent en train d'avaler ou soit de manger que d'autres animaux. Ce qui a le son. Où est-ce pour respirer? Tout ce qui respire, c'est l'homme. Mais tout le monde, il ne savait à quel moment on a poussière. Les raillés, pas à Satan, a dit à Pessi. Satan, il est né, il est né à la poussière. Nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme par la poussière, et Dieu encore va donner au diable son repas qui est que le poussière. Ah, l'un des deux, vous comprenez que si tu as désobéissance, c'est ton manquement. Tant que tu as volé la robe en Zambé, tu as dit que tu n'es pas à Satan. Par là, nous comprenons qu'une fois que l'homme désobéit à Dieu, devient le proie pour le diable. Et alors, ils allaient poussière, nini, ou ils allaient du lait et pas une satana. Quelle est cette poussière qui devient une proie auprès du diable? Alors, les demandes à l'évité qui va le dire après avoir égorgé ma qu'il ait fait sauter dans ma délai. Nous voyons dans le livre de Lévitique, après avoir égorgé l'animal, il faut verser le sang sur le sable. Ah, les deux le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Ah, nous voyons le véritable agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, les deux mots, l'apôtre, les deux mots, Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ qui repousse en apôtre dans le ici. Et lorsque nous voyons Jean-Baptiste entrer, quand Christ était en train d'arriver, d'aller vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit Christ étant venu. Ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, donc tu peux comprendre l'agneau avec qui ôte le péché du monde, qui est sous Massia. Nous comprenons que l'agneau qui devait ôter le péché du monde était que le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'on a écoulé sous. Par là, à la croix. Au bord, quand maïs, on a écoulé sa femme au couf en aïe. Pendre Jésus-Christ à la croix avant sa mort. Mais tout le monde qui m'a dit la maille et bimaki. Nous avons vu le sang et de l'eau en train de sortir. Ma qui est la maille et bimaki, ce pas là qui m'a dit. Le sang et de l'eau est sorti et tombé dans l'eau. Ne fais ça, il y a un bon mot. C'est par là que cela nous a donné la vie. L'eau et le sang qui a été, et ce pas là qui m'a dit. C'est là qui m'a dit. Il y a un copain, ça va être là qui bon mot. L'eau et le sang qui était tombé sur le sable, c'est ça qui nous a donné la vie. Il y a un bible lobby qui est. Voilà pourquoi la Bible dit. Et nous sommes rachetés pas par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais qui n'a pas sopana, et ça m'a dit m'a délé, n'est-ce pas qu'il perd sa vie. Ah, le sang tomba sur le sable qui s'est mélangé avec le sable, et c'est là où nous avons reçu. Alors là, Lévitique, Kata qui gorge, maquillé, sopana, que ça m'a dit qu'il m'a dit. Lorsque Lévitique a égorgé l'animal, le sang est tombé sous le sable. Alors, Makila est sorti à cause de la mabélé, des sanganaki, et l'homme qui est là qui dit le diable. Le sang de Christ qui est tombé sur le sable s'est mélangé. Il a enlevé le sable qui était le poids du diable. Parce que il faut aller à la poussière. Parce que le diable va seulement manger le poussière. Il y a un gens qui ont une permission, on s'en va à Pessa. C'était une permission que Dieu lui-même lui a dit. Il faut aller à la poussière. Il va seulement consommer ou manger. Mais quand à la mort de Jésus-Christ, c'est quand l'un maquillé est sopana, dit maquillé pour sopana, ma belle, ça va la gueule, on va dire poussière. Alors, à la mort de Christ, Jésus-Christ, lorsque le sang tomba sur le sable, c'est mélangé, ce n'était plus le poussière. Comment on a maquillé pour se rendre à ma belle et sous poussière et comme à capoto poto. Voyons le sang se mélanger avec le sable devient la boue. Ah, l'air est comme une poto poto, c'est sous oublié, il y a ça dans la terre. Parce que ça devient la boue, ce n'est plus la nourriture du diable. Et ça, c'est sous oublié, c'est ça qui permet à être. C'est une nourriture qui n'est plus permis par lui. Mais un mot, et ça, Nini. Ah, cela veut dire quoi? Parce que la Bible dit que bon, et ça, c'est dans ma quilla. La Bible a dit que la vie est dans le sang. Bon, mon, et ça, c'est dans ma quilla. La vie est dans le sang.
Le sang de Christ qui a été versé, qui s'est mélangé avec le sac, c'est par là que nous avons reçu la vie. Et le sang a été versé qu'une seule fois. Na Exode chapitre 12. Voilà pourquoi si nous regardons le livre d'Exode chapitre 12. Tout comprendre où est puissance à Makila. Nous voulons voir la puissance du sang. Genèse chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 4 et 5 pour 13 et 14. Exode chapitre 12, le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Pour tout gagner temps, 12-13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tout le dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Ici nous voyons les instructions que Dieu a données. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Pour que le peuple sorte de l'esclavagisme. Lorsqu'ils étaient dans l'esclavagisme. Ils ne pouvaient pas servir Dieu. Il faut devaient sortir de l'Égypte pour aller à Pharaon. Sortir de l'Égypte était tellement compliqué. Alors Nzambe la sa qui puissance ya pour manifester ba signe union sur ya complication pour na ici maraka Pharaon pour a libérer ba na Israël ba kenda ko adorer. Dieu a montré des signes enfin que Pharaon laisse le peuple Israël enfin d'aller adorer Dieu. Mais Pharaon a toujours pour endurcir monter manaé. Le cœur de Pharaon a été endurci. A mon qui peut ba plaie ba signe ya lolenga na mboka na ya ba destruction. Il a vu des plaies, des signes de toute manière de destruction. Mais mon copain a signé où y a tout le monde là où y a sang et manifesté qui fait caca na Égypte. Ah, une des signes capitales du sang a été manifestée en Égypte. Ah, on s'appelle Père Moïse instruction. Dieu a donné à Moïse l'instruction. Bazwa niama. Qui prête l'animal. Bazwa niama nyoso. A autant ça n'a pas autant nyoso. Ce qui n'a nombre au besoin na famille. Libota la bino, ceux qui posent mon pied, pour s'engager par voisin, pour ça la nombre moko boye, pour pouvoir relier animal, oye a opé sa précision là. Il est en train de donner les instructions. Si la famille est peu nombreuse, que le voisin, que vous mélangez avec d'autres voisins, enfin que vous soyez nombreux pour manger l'animal. Boko soigner ma oye a sans défaut. Vous allez prendre l'agneau qui n'a pas de défaut. C'est un mâle âgé d'un an. C'est un mâle qui a l'âge d'un an. Et vous prenez un anneau ou un chevau. Vous allez prendre un agneau ou un chevau. Précision, bah, dit qu'il faut que ce soit anneau ou ça d'un an. Des choses à retenir. Anneau ou ça d'un an. La Bible précise que l'agneau d'un an. Mal. Sans défaut. Il a dit anneau ou yo. Beaucoup égorgé. Peu beaucoup soit maquillé na yango. Ne beaucoup tient yango na l'éton. L'air ange de la mort a couru pour la cause à échapper la loi. Vous allez prendre l'agneau d'un an, vous allez prendre son sang, vous allez mettre dans le linteau. Lorsque l'ange de la mort viendra, là où il y aura le sang, vous ne serez pas victime de la mort.
Parce que l'ange de la mort leur y est accolé. Parce que l'ange de la mort viendra enfin de tuer que le premier-né. Parce que nous avons dit que le premier-né peut être mis en main sur l'Iboso en Égypte pour manifester puissance de l'Iboso en Pharaon. Dieu voulait tuer tous les premiers-nés et tous les animaux du premier-né afin de manifester sa puissance en Égypte. Dieu a voulu faire ça afin d'écarter son peuple qui est Israël. Il n'écarte pas les Égyptiens, mais qu'il écarte son peuple qui est Israël. Vous allez prendre l'animal, vous allez tuer l'animal, mais son sang, vous allez le mettre dans le linteau et ton signe. Donc si nous allons les anges la mort qu'on a pour nous frapper ma première nation sur la moka à l'Égypte. Et cette signe là lorsque l'ange de la mort viendra enfin de frapper tout le premier nom de l'Égypte. Et puis bino peuple l'angale ange akoya comme on a signé bino kozala écarté la loi. Et lorsque l'ange viendra il voit le signe du sang. Vous allez être écarté de la mort. Alors le tout monde a signé à ce moment-là, il a dit marque on t'embattia qui pour lui botta et ça l'a écarté. Et lorsque nous voyons ce signe du sang, c'est le marque que Dieu a mis afin que son peuple soit écarté. Les mabé et koya bango basala épargné. Lorsque le mal viendra, eux soient épargnés. Ne pas mon la qui signe ou à maquila. Et nous avons vu le signe. Et vous les anges, il a dit pour nous frapper, n'a pas nous sauver d'aller pour se planter. Ce n'est pas mon signe à maquila, aller qui automatiquement. Et lorsque l'ange de la mort venait, s'il voit le signe du sang, il passait. Parce que Ndako est qui est protégé. Parce que cette maison a été protégée. Bon, nous, la vie est là-bas. Donc, vous voyez qu'on contacte. La mort ne peut pas. Parce que si le maquila est qui l'icolo. Parce que le signe du sang a été dans le linteau. Et il y a un peu de moment, Jésus dans Luc chapitre 4. Et par là, nous faisons ça dans le livre de Luc chapitre 4. Oh, le Bama qui comme l'ombre. Oh, et Talisa Makina, dans l'Égypte. Et on se voit comment on est dans Luc chapitre 4. Ce qui a été dit à l'Égypte qui a été faite étant l'ombre, nous voyons ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, nous disons. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors le tout le livre de Luc est pour correspondre à Salamaki en Égypte. Lorsque nous voyons le livre de Luc, nous voyons la correspondance avec ce qui a été fait en Égypte. Tout le monde dit que c'est la formule qui livre le temple, livre Osaïe, comment il parle prophète Esaïe. Nous voyons Christ ouvert le livre qui a été écrit par le prophète Esaïe. Alors, bien, mon livre et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pour prononcer, pour proclamer. Pour prononcer, pour proclamer. Allez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, Christ dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Par là, tout le monde a que. Tout le monde a qui place par on a qui est sous ma scie, ma foute a été la moto naïe. Nous n'avons jamais vu là où on a point Christ l'huile sur sa tête. Tout le monde a ma pratique comme il consacre ma lélo. Nous avons des pratiques qui se font actuellement. Il y a ma consacration et le n'est pas mon baron le baba aux oies. Où il est pour on est le balobi qui est mon lieu au mon sang. Comme il consacre, il prend l'huile, ils vont mettre sur la tête pour dire que non, ça c'est l'Esprit Saint. Mais là, tout le monde a réalisé ce mois-ci, on déclare l'Esprit Seigneur est sur moi, tout le monde voudra se rappeler qui est où il était. Alors, lorsque Christ déclare que l'Esprit Seigneur est sur moi, nous n'avons jamais vu où lui il a été versé sur sa tête. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est écartée. Parce que la plénitude du Saint-Esprit est écartée. Alors, allez-vous proclamer bonne nouvelle pour libérer les captifs, pour sauver, c'est ça? Nous allons penser avec ça les Koulous. Il est venu proclamer la délivrance, c'est l'œuvre, le travail exact que Christ est venu faire à la croix. Pour délivrer aux Akilibotanaï. Enfin, de délivrer ce qui est son peuple. Mais dans le verset 19, il y a mon désimi, puis son mot Makassi. Dans le verset 19, c'est là où ça retient notre attention. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et par là, tout le monde va la. Nous avons un calendrier. Le calendrier n'a plus de année encore. Dieu n'a que deux calendriers. C'est selon le calendrier de. Calendrier, nous avons un calendrier une année. Le calendrier de Dieu, c'est le calendrier d'un an. Alors, le calendrier que nous utilisons,
Les calendriers que nous utilisons, c'est un calendrier romain. C'est une calendrier romaine. Nous l'avons dans mon kili. Ce que nous sommes sous. Nous avons été utilisés. C'est ce que nous utilisons. Vous avez la différence sur la date. Qui a des dates différentes. Tout bas événement. Des événements. Même église Moussous par Hollande, la date ou en haut calendrier romain à Pessi. Et des églises sont en train de suivre le calendrier romain. Ok, puis on trouve un calendrier où on trouve Hollande. Et nous avons un calendrier qu'on peut suivre. Il y a un moment, on a vu sauf le 25 décembre, mon qui les Pessi fête, ce qui est la naissance, j'ai vu ce talibi, ce dépôt, on y est bien monté. Voilà pourquoi le 25 décembre, lorsque les gens partent célébrer la naissance de Christ, nous ne célébrons pas parce que cela ne nous regarde pas. Parce que, total est sous, na avril, sous va fêter, sous fête de Pâques. Parce qu'en avril aussi, il fête aussi une fête de Pâques. Et fête de Pâques, ils ont programmé, il faut que les gens avrient, ils ont dit pour nous en couvre, parce que quoi, il y a un d'après, plus qu'on y a, ils ont dit Saint-Saint, il faut que les gens avrient. Ah, la période d'avril, c'est là où il y a fête de Pâques, où on célèbre la mort de Jésus-Christ. Eux, ils font ça, c'est le moment d'avril. Puis, quand nous réunissons les aigles, tu sais, pour réunir ton lit, nous autres, peut-être, on met la maquille là. On le fait à chaque instant. Lorsque les aigles sont ensemble, il y a le sang qui est Christ, Jésus-Christ, nous vivons et nous mangeons sa chair. Donc, on célèbre à tout moment quand nous rassemblons pour la croix, quand nous nous célébrons la Pâque à tout moment lorsque nous nous réunissons afin d'écouter l'enseignement de Christ. Quand on lit à Calandiramatoï. Parce que nous ne mangeons pas nos oreilles, amen. Qui est la parole de Dieu. Nous n'avons pas une date précise pour te célébrer amour. Pour célébrer la Pâque. Alors Jésus-Christ était venu pour proclamer une année de grâce. Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce. Alors Batomo qui va fêter le calendrier romain, bonne année les versets de Kotimboula Sika, bisous de fêter une année de grâce. Alors que les hommes sont en train de fêter le 25 décembre, mais nous nous fêtons qu'une année de grâce. Une année de grâce, c'est monde des aranines. Une année de grâce, c'est quoi? Nez à la caillou, ce qui au long de la mabé, au yékat na yesu masi, à nez de haut célébrer, fait yon continue à année de grâce. Ah, c'est amen. Lorsque tu quittes le monde et que tu deviens enfant de Dieu, c'est par là que nous célébrons une année de grâce. Car la grâce est venue par Jésus-Christ. Ah, parce que la grâce est venue par Jésus. La loi n'est pas à Moïse. Et la loi est venue par Moïse. Grâce est qui n'est pas sauvé pour accomplir. La grâce est venue accomplir enfin. Mais pour qui ça? D'accomplir. Et il faut qu'on change pour mon âge. On dit qu'il m'a bien. Il y a bien toi, c'est mon compte, mon bébé, c'est renoncer. On change pour mon âge. On est au compte l'année de grâce. Et toi aussi, si tu acceptes Jésus-Christ et ton Seigneur et sauveur, tu renonces au monde. C'est par là que tu es affecté par la grâce de Dieu. Année de grâce, on est aussi la paix, et aussi la carte à l'enlèvement. Et cette année de grâce finira lorsque l'église sera enlevée. Amen. Donc, toi qui m'a pas s'est converti, après moi, on en a mis à ceux-là, comme pourtant, on a conformé à la parole. À côté une année de grâce, nous avons tout d'abord une bonne année. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ, devient enfant de Dieu, c'est par là que nous allons célébrer bonne année. Parce que mon qu'on a tous à zongiket dans l'ibota. Parce que l'un d'entre nous est retourné dans sa maison. Nous c'est pas une bonne année la biso. Mais année où on a mon quoi là et aussi la caca en enlèvement. Ah, cette année là finira simplement le jour où l'église sera enlevée. Est-ce que l'église est tombée et qu'il y a un enlèvement très molou et souki? Ah, le jour où l'église sera enlevée, c'est par là que la grâce prendra fin. Mais maintenant, toi, on a molou parce que toi, on a le temps de la grâce. Ah, moi et toi, nous sommes dans la grâce, nous avons cette joie là. Il y a moins une année où. Exode chapitre 12. Ça aussi, c'est l'une année là qu'on nous montre dans Exode chapitre 12. On soit année à une année mal, femme, mal, sans défaut, sans tâche. Nous sommes dans Yesu Masia, attaqué sans défaut, attaqué ni tâche, attaqué fait mal. Nous voyons dans le livre d'Exode qu'on dit qu'il faut prendre l'année d'une année qui n'a pas de tâche ni défaut. C'est la même année aussi notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de péché. Alors, pour faire ce mal à Ekoulousou, la mort de Christ à la croix, à quoi faire pour la montagne sauter? Il n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ à Ekoulousou, tant qu'il y a un pour la montagne sauter. Jésus-Christ est pour sa mort, étant venu au monde, il n'est pas venu pour tout le monde. Et si on connaît ce côté qu'à trop à Ekoulousou, à quoi il y a un pour la montagne sauter, là tu te trompes. Si tu penses que Christ est quitté le ciel, venu sur terre pour tout le monde, là tu te trompes. Aïe, il y a un pour la montagne. Il est venu pour un peuple. Pour la partie, mon roto, pour la peuple, mon roto. Il est venu pour un peuple seulement. Il y a mon ami Béolouaké. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui.
Bible dit que car Dieu a tant aimé qu'il a donné en fait que quiconque celui-ci qui va accepter paix à abandonner bon monnaie pour la Yesu Masia abandonne sa vie en Jésus Christ. Celui-ci recevra sa part ou sa bénéfice de la mort de Jésus Christ. Si tu n'acceptes pas et que tu ne portes pas ta vie en Jésus Christ, sache-le que la mort de Jésus-Christ n'a aucun impact dans ta vie. Parce que maquila oye a sopaki a sopaki encore la partie à ma belle. Parce que le sang Christ qu'il a versé, il a versé seulement ça sur le sable. Le sable Le sable là, c'est le peuple qui accepte Jésus-Christ qui devient le goût où le diable ne peut pas manger. Ne va pas mis à l'écart. Ah, ce peuple-là devient mis à part. Ne est allé comme poto-poto, où est-ce soubelé à mon goût na tête. Ça devient la boue qui n'est plus la nourriture du diable. Oui, comme mis à part parce que Satan. Ah, tu deviens mis à part parce que tu n'es plus la nourriture du diable. Quand l'âge la mort a yaki à mon aki, ndako o le temps oyo et aki na makila ou baiko koti sa koufa la kati ndako wana. Lorsque l'ange la mort est venu, il a vu l'endroit où il y avait le sang, il ne pouvait plus entrer. Pour basalaki épargné. Ils étaient épargnés. Parce que si la makila est aki likolo na bango. Parce que le signe du sang était sur leur linteau. Et ngana lope soki to komi réellement ba na nzambe. Si nous devenons réellement l'homme, nous acceptons Jésus et nous marchons conformément à la parole de Dieu. Et nous marchons conformément à la mise en part. Nous devenons ce peuple mis en part. Le diable n'a aucun pouvoir. Oui, les bien-aimés. C'est l'examen de conscience d'abord, Moïnao. Fais un examen de conscience dans ta vie. Est-ce que Oufayo Soumassi est allé bénéfique dans Moïnao? Est-ce que la mort de Christ est un bénéfice pour ta vie? Regarde bien ta marche. Est-ce que au tambour le lengue au moins dans un bar au tambour là? Tu marches vraiment à la droite. Et toi, un enfant de Dieu peut marcher. Pose à la exposer tel que possible dans mon gouna. Pour que tu ne sois pas exposé au diable. Moi, je me suis étonné. Koyoka, ma soeur, nous avons Koyoka qui passait Rwanda. Balia qui est pas abandonné. Moi, je suis étonné d'attendre des histoires où un pasteur a été mangé par les sorciers. Oui, les petits anges, vous connaissez ça, c'est là qui bongo, ah, mon empereur, ah, bandoki, les pasteurs. Par manque de connaissance, si tu apprends ça, nous, on avait peur. Un sorcier mangé un pasteur. Les deux pour comprendre que. Lorsque nous avons compris qu'il parlait de Dieu, il n'avait pas ces choses. Il n'avait pas un signe du sang. Il parlait de Dieu pour avoir à quoi manger. Il n'avait pas le vrai message qu'il ne pouvait pas comprendre. Ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Le diable il est comme
un lion qui rôde tout autour de nous, il cherche à qui dévorer. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous en cherchant qui dévorer. Abonia taba o wa ola ta komo Yesu masia la monoko mena mité ma Yesu avandité. Ma bouffe c'est qui parle de nom de Jésus mais dans leur cœur Christ n'est pas. Basana elle est motée. Ils n'ont pas un signe de Jésus Christ en eux. Alors les anges de la mort akoya ko frapper, il va frapper bango. Lorsque l'ange de la mort viendra, il va frapper. Voyons qu'un homme de Dieu entre guillemets diable allié, c'est étonnant. Soit disant un homme de Dieu, mais un sorcier va le bouffer. Un enfant de Dieu tout court. Un enfant de Dieu tout court. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il marche à la conformément à la parole. Celui qui accepte Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, qui marche conformément aux Écritures, Zabou allié. Le diable ne peut pas. Zabou basali plan. Les diables vont négocier, ils vont créer. Alors, un enfant de Dieu quittera ses mains une fois qu'il finira sa mission. Donc, mission si ta mission sur terre est finie, tu partiras sans. Mais tant que mission est dans mon kili, tant que ta mission est sur terre, Zambé, pour la nez à Botikayo. Je sais pourquoi il te laisse. Elle dit pourquoi Botikayo. Tu sais pourquoi il te laisse vivant. Dieu d'ailleurs n'a pouvoir ni colon à ôter. Dieu n'a aucun pouvoir. Parce que vous êtes un élémo. Parce que tu connais le bon côté commun à ôter. Lorsque la mort viendra, ne te trouvera pas. Alléluia. Vous êtes un élémo. N'aie peur de rien. Vous êtes un élémo. Vous allez bon monde. Tu as un signe qui est la vie. Parce que la vie est dans le sang. Parce que la vie est dans le sang. Y a moi la bison dans notre enseignement. Tobé la kamakilate. Voilà pourquoi nous dans notre enseignement nous n'avons pas le sang. Tobé la kamakilate. Tobé la kamakilate. Nous ne comprenons pas les sacs et les sangs sanctifiés. Parce que toi, les abonnés, nous avons dit que nous sommes avant la carte d'Abissot. Nous sommes ces enfants de Dieu. Il y a mon Bible, le basket, c'est le pape Bissot, c'est lui qui vit, car il y a tout ça pour vivre la carte d'Abissot. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a tout ça pour vivre la carte d'Abissot. Christ vit en moi. Comment il a vu ce bon mami carte d'Abissot? Nos vies sont cachées. Alors, Dieu a un pouvoir, mon retour, il connaît Abissot. Mais le Dieu n'a aucun pouvoir. Avant, Abissot, il faut pas un apostille, mais il y a tout ça. Peut-être c'est un païen qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous on a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Aza déjà 4 nabiso. Amiga 4 nabiso. Balobi ke bomo. Il m'a dit bomo. Ezala makila. La Bible dit que la vie est dans le sang. Ah, Jésus-Christ est né. Yaza bomo. Jésus-Christ est la vie. Celui qui a la Christ a la vie. Celui qui n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Christ. Yesu makila 4 nabiso ne bomo. Jésus-Christ en nous c'est la vie. Ça sert à quoi de vous parler? Nous vivons déjà Christ en nous. Nous avons déjà le signe du sang en nous. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Mais Romains, Romains chapitre 39. Comme Romains nous le fait montrer, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Même Bapazi. Même la souffrance, même nyoko, même le monde, même hauteur, même la même hauteur, profonde, même la nyonso auto komona, tout ce qu'on peut, même kozanga konsoa, même le monde, bilamba kotapula motaka, marcher sans arrêt, olia to olia te, et le komo koto kamera mo mona nzambe, parce que la yesu na sala elembo, même si le on a omona ke rien ne marche, olia mo complication, mais j'ai la certitude que elembo akile zakati na ngai. Est-ce que tu marches réellement selon le commandement de Dieu? Pour te la protéger. Pour que tu sois protégé.
pour ma kila est gravé quand on les ange la mort battant sur ma combat ma camion sur le diable d'aller pour bongi ça pour la pour six fans de bon moyen on est sur place c'est parce qu'il y a un boyan à pas projet n'a rien à pas plan n'aie à coûte un ayez sur ma si un bon moyen. Est-ce que tu marches conformément, est-ce que tu as les signes du sang? Parce que si le diable vient et que tu n'as pas les signes du sang avec tous ces projets, il peut t'affecter ou te faire du mal. Pour ceux qui ont les modalités, parce que si tu n'as pas les signes, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire dans votre vie. Le diable peut tout faire dans ta vie. Parce que vous êtes protégé. Parce que tu n'es pas protégé. Amen. Ça, c'était la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vous accompagne. Pour comprendre où est allée puissance à Makila. Afin de comprendre ce qu'est la puissance du sang. La Makila, parce que toi, tu as pas dans Zambé. Nous ne voulons pas du sang parce que nous sommes enfants de Dieu. Pour qu'il y ait un peu de sang, il y a nous avons donné nos vies en Jésus-Christ. Voilà, et l'eau, on peut y combattre. Nous n'avons rien à voir. Parce que vie n'a pas été contrôlée par Jésus. Parce que nos vies sont contrôlées en Jésus-Christ. Attends, l'autre, au moins, moi, situation est un peu flou. Même si aujourd'hui, on voit la situation un peu compliquée. Nous avons la confiance en Zambé. Nous avons la confiance. Parce que lui nous conduit. Alors, vie, elle est en Zambé, dépend d'un habit sauté. Nos vies, et dépend, ne dépend pas de nous. Et dépend d'un position, le lien en Zambé aligné aux anacènes à Moïse. Amen. Dépend de la position. De alors, la manière que Dieu veut que ça soit sur, ce soit sur terre. Oh, nous sommes à Bongisa Outa, fondation du monde, et à Wekoksabo Moïna. Tout ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde, cela va s'accomplir dans ta vie. Positionnons sur Ozaïna, on sort aux Akakamoan dans la vérité, au Banganini. Peu importe ta position, si tu es enfant de Dieu dans la vérité, tu ne craindras rien. Si tu n'ouvres pas la porte dans ta vie, pour que le diable entre, pour que le diable entre, tu restes la droiture. Tout ce que tu vis sur terre, glorifie Jésus. Parce que tu es celui qui diable a fait ça et l'autre mon côté il faut dépasser Nzambe pour essayer de prendre. Tu n'as rien à faire à surprendre à Dieu. Tu es un mis à part. Tu es un enfant mis à part. Est-ce que Dieu t'est béni? Esprit fond la sur ma case. Le Saint-Esprit nous comprend. Et convaincre mon tout. Cela fait que nous convainc. Tout en la conformant à la parole de Dieu. Conformant à la parole. Pour que la gloire revienne à lui. Ça a été la parole du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout, chacun de nous, maintenant debout, pour cette parole qui vient d'être prêchée. Tu vas demander à Dieu d'être avec toi et de te conduire. Réellement, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ habite dans toi. Que tu ne sois pas un enfant de Dieu qui sera mangé par un démon. Ça n'existe pas. Nous, dans cet évangile, l'évangile de Christ, nous ne croyons pas qu'un enfant de Dieu soit mangé par un sorcier. Ça n'existe pas parce que le sang de Jésus habite dans nous. Ce qui empêche que la mort ne nous atteigne pas. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas demander la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te conduise, afin que tu demeures dans le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il viendra nous enlever. Car la fin de l'année pour nous, les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. Amen. Car nous sommes dans une année de grâce. À la fin de l'année de grâce, c'est l'enlèvement. Tu pries. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de te donner la force. Éternel Dieu, le roi, le tout-puissant, donne-moi la force. Enfin, que je continue à marcher à la crainte de ta parole et que je mette en pratique ta parole à tout moment, à chaque instant. Enfin, que je ne sois pas, la proie de l'ennemi et que toi, moi, je sois le sang mélangé avec la poussière. Ce qui est différent, ce qui n'est plus la nourriture du serpent. Éternel, aide-moi, aide toute l'assemblée à demeurer à la crainte de ta parole, ça c'est que tu viendras, Éternel. Enfin, que toute l'assemblée que nous sommes ici dans cet endroit, que nous soyons enlevés vers toi. Donne-nous la force de marcher à la crainte de ta parole et de te chercher dans la vérité. Tu es le véritable Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des Rois, c'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. À toi nous avions confiance et toutes choses que toi tu veux que cela se fasse dans nous, ça va se faire par rapport à ta volonté. Et que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. 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 Alléluia, clamons le Seigneur. Le cri de joie, alléluia. Amen. Il est le roi des rois. Nazakomata. Nazakomatangai. Nazakomatangai. Nga nazakomata. Nazakomata.